Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais poursuivre la présentation d'informations extraites du rapport que j'ai publié récemment sur le blog OLCPIE, un rapport que vous pouvez consulter, télécharger et imprimer. Il s'intitule Rapport manuscrit sur l'instrumentalisation de Joe Biden et Kamala Harris à la Maison-Blanche par deux alliances extraterrestres intruses et sur d'autres faits. Je rappelle que je regrette ne pouvoir dactylographier ce document car je suis peu muni, mais je l'ai écrit très lisiblement. Et j'espère que vous trouverez intérêt à lire ce document. Il est conçu sur la base de 42 anagrammes, autant que les lettres qui composent les deux noms complets du président des USA Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Leurs noms, je vous le rappelle, sont Joseph Robinette Biden Jr. Robinette est un nom d'origine française. Et Kamala Devi Harris. Devi étant, je pense, d'origine indienne, la mère de Kamala Davis est originaire de l'Inde. À partir de ces noms complets, j'ai donc réalisé 42 anagrammes sur le sujet qui nous préoccupe. Les intrusions extraterrestres malveillantes et leurs intentions, leurs réalisations, leurs actions criminelles. Alors voici une première anagramme. Joe Biden, Hail Mary Tech Apparition, Alien Jesus Omega Hebrew War. Joe Biden hides Mary Tech Apparitions. Alien Jesus Omega Hebrew War. Cela signifie en français, le président Joe Biden hides, c'est le verbe to hide qui signifie cacher, dissimuler. Mary, ici c'est la mère de Jésus. Tech apparitions, tech qui est le début de technologie, apparitions comme en français, les apparitions, donc les apparitions technologiques. Alien Jesus Omega, l'alien Jésus Omega, qui est le chef de l'envahisseur gris apocalyptique, l'alliance extraterrestre interplanétaire la plus dangereuse en contact avec l'humanité, celle qui essaye d'empocher la Terre avec l'humanité en installant une théocratie mondiale, dirigée par le nouveau Messie des chrétiens, Jésus Omega, qui a la même âme que le prophète Jésus, je le rappelle fréquemment ici. Hebrew War, c'est la guerre des Hébreux, mais au sens religieux du terme. Je rappelle aussi que ces extraterrestres réalisent de très nombreux crop circles au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde, et qu'ils tentent de racoler les trois monothéismes, notamment, et pas que, la religion chrétienne, la religion de l'islam et la religion hébraïque. Et il y a par exemple présent du chandelier à cinq branches ou de l'arbre des séphirotes. Deux éléments importants, symboliques de la religion hébraïque. Donc ces extraterrestres se revendiquent du message de Jésus, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et essayent de finaliser leur plan en impliquant la responsabilité d'un maximum d'humains dans ce plan. Il y a de nombreuses apparitions mariales répertoriées, remarquées dans le monde depuis plusieurs décennies et même au-delà, au siècle dernier par exemple, notamment. Et je vais présenter en écran de fin la présente vidéo, une playlist dans laquelle vous pourrez voir des témoignages vidéo présentant certaines de ces apparitions mariales, sous la forme d'hologrammes plus ou moins suggestifs concernant la Vierge Marie, mais toujours dans un contexte religieux évident. Et vous pourrez vous faire votre propre point de vue
et constater, tout comme moi je le pense, que par ces technologies, on peut avoir de nombreuses personnes, j'ai compris en intéressant à ces phénomènes qu'il s'agit là de leurres provoquées par ces extraterrestres et non pas de phénomènes miraculeux, entre guillemets, paranormaux, d'origine hypothétique divine. Alors, les noms de ces deux responsables, aux responsables aux États-Unis d'Amérique, hein, très impliqués dans la dissimulation concernant les présences extraterrestres et leurs activités, cachent d'autres informations là-dessus. Par exemple, Joe Herbie Junior, NASA Hyde Air Alien Activity Phenomenon Observed, ce qui veut dire en clair, Joe R. Biden Junior et la NASA, l'agence spatiale américaine, cachent ensemble les activités Air Alien, donc des extraterrestres, concernant des phénomènes observés. Donc cet anagramme, je la trouve particulièrement spectaculaire ici, et je vais présenter en écran de fin la présente vidéo un exemple de manifestation extraterrestre récente aux États-Unis d'Amérique sur la chaîne UFO Sightings Daily. Nous pouvons toujours apprendre à travers les noms de ces hauts représentants de l'exécutif politique aux États-Unis d'Amérique des informations que cela nous cache et que la Maison-Blanche nous cache depuis plusieurs décennies. Par exemple, JB Junior Various Hyde ET Aliens Abduction Phenomena. Ce qui signifie Joe Biden Junior Warriors Hyde ET Aliens Abduction Phenomena. C'est-à-dire que le président des USA, Joe Biden, des soldats, d'autres responsables aux USA, nous cachent les phénomènes d'enlèvement, d'abduction aussi, de kidnapping par des aliens extraterrestres. Je vous ai expliqué qu'un auteur, Bud Hopkins, a déjà écrit un livre il y a longtemps aux États-Unis d'Amérique, par lequel il est devenu célèbre, concernant ces phénomènes d'abduction, rassemblant de nombreux témoignages obtenus parfois avec le consentement des victimes par le moyen de la régression hypnotique. Cette méthode est toujours employée, ici même aussi en France. Un livre de victimes d'enlèvement et d'agressions, parfois à caractère sexuel, portant sur les parties donc génitales pour un retrait d'ovules ou de semences masculines, et décrit par les victimes qui se sont exprimées dans le livre Rencontres extraterrestres paru chez Lulu.com, ces personnes étant toutes membres de l'association française, le CERO France, Contact Enlèvement lors de rencontres OVNI, qui a un site internet. Que nous cache encore la Maison-Blanche que nous pourrions deviner et reconstruire à partir des noms complets de Joe Biden et Kamala Harris? Joe R. Biden Jr. Hyde UAP Animal Bovine Horse Air Attacks. Ce qui signifie Joe Robinette Biden Jr. Hyde, c'est-à-dire que le président des USA nous cache. UAP, c'est Unidentified Aerospace Phenomena, c'est-à-dire les phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est l'équivalent des pannes en français, plus communément appelés des UFO en anglais ou OVNI en français. Alors, il nous cache les attaques aériennes par des objets volants non identifiés, on va dire ça comme ça, d'animaux, entre parenthèses, des bovins, des chevaux, etc. Alors, ce phénomène est l'un des plus graves des
décrit concernant les intrusions extraterrestres malveillantes. J'affirme que c'est très probablement le groupe des grilles apocalyptiques qui fait cela. Pourquoi? Peut-être pour compléter contre l'alliance opposée et tenter d'espérer ainsi un rapprochement plutôt véreux, puisqu'ils se revendiquent du prophète Jésus, du Dieu des chrétiens. Je rappelle que Joe Biden lui-même est de foi catholique. Et c'est là un piège. De nombreux animaux sont trouvés morts dans des conditions très suspectes qui ne laissent envisager aucune attaque par un prédateur et aucune attaque par un être humain parce qu'il faudrait disposer de moyens technologiques très particuliers pour pouvoir rendre les corps de ces animaux mutilés vivants ou mutilés et morts comme ils le sont. Je vous invite à consulter les dossiers en ligne de Chuck Zukowski aux États-Unis d'Amérique. Son site internet est ufonut.com. Je vous informe qu'il y a des images difficiles à soutenir. De nombreux auteurs en ufologie qui s'intéressent donc à ces activités extraterrestres très préoccupantes ont déjà écrit abondamment sur ce sujet et les fermiers aux États-Unis d'Amérique n'obtiennent pas la reconnaissance des États locaux et de l'État central concernant ces attaques par des extraterrestres. Je précise que dans certains cas, des phénomènes ovnis ont été remarqués précédant ces attaques. Enfin, ceux d'entre vous qui connaissent l'ufologie attendaient sans doute que j'en parle. Oui, nous pouvons aussi voir le crash de Roswell dans les noms de Joe Biden et Kamala Harris à la Maison-Blanche. Comment? Roswell crash, j'explique pourquoi après. J-E-O, Invader, Trinity, Bomb, Japan, Hide. Roswell crash, donc le crash de Roswell, E à la valeur 5 numérique. Le 4 juillet 1945, quand j'additionne tous les chiffres et que je les réduis à un seul chiffre, j'obtiens le 5. Ce serait la date, mais cette date est très souvent avancée par les spécialistes de ce dossier. Le jour même de la fête nationale des USA, d'ailleurs, ce serait la date du crash de Roswell, le 4 juillet 1947. Jesus Omega Invader. Là, c'est moi qui le précise, donc c'est moi qui fais apparaître cette précision. Je dis que c'est l'envahisseur Jésus Omega qui est en lien avec ce crash. Comment expliquer ce crash? Est-ce un accident? Est-ce une opération sinistre et cynique à la fois de la part de ces extraterrestres pour provoquer quelque chose? Plusieurs hypothèses restent sur la table actuellement. L'on dit que le temps était orageux ce soir-là, lorsque ce crash a eu lieu. Il y a deux sites d'ailleurs pas très éloignés l'un de l'autre. Était-ce une collision? C'est possible. Entre deux ovnis, c'est possible. Je ne peux pas vous le dire. Il y a un excellent livre de Gildas Bourdet aux presses du Châtelet, paru en 2017, qui s'intitule Roswell, la vérité. Un livre que j'ai lu et que je vous recommande vivement si vous souhaitez approfondir ce dossier qui est très bien étayé par de très nombreuses sources documentaires. Le crash a eu lieu non loin de Trinity Site, du site Trinity, c'est-à-dire où se trouve la base d'Alamogordo, une base très importante de l'US Air Force, où l'armée américaine a conçu, hélas, la première bombe nucléaire qui a été essayée, et le premier essai dans le désert, tout près de là. C'est appelé l'essai Trinity. Et on appelle donc cet endroit le site Trinity. Bombs Japan, donc les bombes qui ont été larguées sur Nagasaki quelques semaines après, en été 1945, quelques semaines après l'essai Trinity,
et puis sur la ville d'Hiroshima. Tout cela est caché. Alors, je ne dis pas que là, j'exagère peut-être un peu, hein, que Joe Biden et Kamala Harris savent que c'est l'envahisseur pro-Jésus qui a fait ça. C'est moi qui le précise, mais il cache le crash de Roswell, au sujet duquel j'affirme que c'est très certainement quelque chose qui concerne des ovnis de l'alliance la plus dangereuse interplanétaire de Jésus-Oméga. À noter que ces extraterrestres constituent une menace très grande, non seulement pour la Terre, pour l'humanité, mais pour l'univers, et que ils nous impliquent dans la religion chrétienne, dans le plan apocalyptique. Qu'il y a un risque d'élimination d'une partie de l'humanité, comme c'est indiqué à la fin de la Bible, comme ça a été indiqué par Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, par exemple, chapitre 13, versets 36 à 43, ou l'Apocalypse de Jean, chapitre 19, versets 11 et suivants, et que c'est une imposture, j'affirme être en communication avec la source divine, je pense que c'est elle. Je peux me tromper, je vous laisse juge de cela. Et la source divine dément toute forme de jugement dernier avec un messie envoyé par elle pour juger les humains et éventuellement pratiquer une épuration. On appelle ça retenir les élus et puis le reste, on le bazarde, entre guillemets. Une telle action utiliserait notre croyance, notre responsabilité collective et serait une dette très grande pour nous parce que nous sommes censés comprendre que la vraie divinité ne va pas jusque-là, même si elle est très remontée après un certain nombre d'entre nous, au point que si un caillou tombe, je sais pas, sur le Kremlin, on va dire en ce moment, ce serait pas mal. Eh bien, elle trouverait ça tout à fait juste. Voilà. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, je vais donc présenter des documents importants en complément dans le dossier de cette vidéo et en écran de fin. Je vous remercie pour vos soutiens, vos actions, que j'espère nombreuses, car il faut que nous prenions cela en charge et que nous n'attendions pas le pire. Je vous remercie pour votre attention.